Bonne semaine. Bonjour. Bonjour. Dans la dernière vidéo, on vous a raconté qu'Oscar, il était un petit peu malade, mais qu'on avait une pièce qui allait arriver dans quelques jours. Donc il est tombé en panne le jour où on avait prévu de faire une sortie birdwatching, le samedi. Et du coup, comme la pièce était prévue d'arriver le mardi, le lundi matin à 6h, Andrella est venue nous chercher. Et nous sommes allés au parc de Tinamou, qui est célèbre parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux dans ce parc. Il faut savoir que la Colombie est le pays dans lequel il y a le plus d'espèces d'oiseaux répertoriées. On est, je crois, à 700 ou 1000. Tinamou, c'est un endroit qui est assez réputé. Donc, dès qu'on arrive, on change un petit peu de catégorie par rapport aux endroits qu'on avait déjà visités. On voit que c'est des spécialistes qui sont là, des photographes, pas professionnels, mais enfin des bons amateurs avec des très gros téléobjectifs, tout un comportement qui va avec, les gens sont en tenue kaki ou beige, ils viennent manifestement pour faire des photographies d'oiseaux. Oui, et moi je voudrais rajouter quelque chose quand même, enfin apporter une petite rectification, c'est pas parce qu'ils sont en couleur kaki et qu'ils ont des gros objectifs qu'ils sont professionnels, c'est simplement non, ils sont pas pro. Ils aiment les oiseaux, voilà, mais après c'est pas pour ça que leurs photos elles sont mieux que les tiennes. En tout cas on sent que c'est des connaisseurs, ils viennent pas là par hasard. Ils sont très respectueux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un bruit. C'est du coup relativement cher. Alors l'entrée dans Tinamou, c'est pas forcément inabordable, mais quand on reste sur place, le lodge est un lodge qui est quand même plutôt haut de gamme. Et parmi ceux-là, il y a des gens qui viennent voir spécifiquement un oiseau en particulier, c'est ce qui nous a un peu frappé. Donc la première question que posent les guides, parce qu'on peut pas se déplacer librement, on est toujours avec un guide, c'est qu'est-ce que vous voulez voir aujourd'hui en fait. Et ensuite, il y a tout un système qui consiste à traquer un oiseau particulier compte tenu de son comportement, de l'heure de la journée et bien sûr aussi beaucoup par le bruit. Donc en fait, il y a des appos qui sont utilisés, les cris en fait sont enregistrés et sont réémis pour attirer les oiseaux particuliers. On a commencé à se diriger dans une zone un peu sombre qui était une sorte de sous-bois justement parce que l'oiseau fétiche qui a donné son nom au parc s'appelle le Tinamou. Et donc certains photographes cherchaient le Tinamou, que finalement on n'a pas vu, qui est un oiseau d'ailleurs peu spectaculaire en soi. C'est un oiseau de sol, un peu comme une petite poule de bois ou poule d'eau. Cherchant cet animal, on a trouvé une espèce tourterelle qui semblait assez rare. Alors il y a eu pas mal de photographes qui se sont empressés de la photographier. Honnêtement, on n'a pas très bien compris parce que les conditions étaient médiocres. Les conditions étaient mauvaises, mais ouais. Elle est super jolie. C'est une petite tourterelle avec une tête bleue. On n'en a jamais vu des comme ça, dis donc. Donc nous, on s'est un peu fondu dans le moule. On a suivi en gros le courant et on a vu quelques beaux oiseaux. Alors, comme souvent, principalement près des mangeoires, parce que c'est quand même les mangeoires qui permettent d'observer une variété d'oiseaux d'assez près. Les mangeoires, elles sont à une distance de, on va dire, 8 à 12 mètres à peu près, ce qui permet avec un bon appareil photo de faire des photos presque plein cadre d'oiseaux de petite taille. Non seulement ils ont des mangeoires, mais ils ont des bons affûts aussi, donc on est vraiment caché. Oui, oui. Et les oiseaux, ils nous oublient très vite, donc c'est beaucoup plus facile de photographier. Voilà, donc globalement on peut dire que c'était une expérience de birdwatching qui était intermédiaire, elle n'était pas extraordinairement spectaculaire, mais c'est quand même de l'observation de qualité, et puis le cadre est très joli, le jardin est très joli, donc c'était une belle sortie à la journée. On a vu aussi d'ailleurs, curieusement, un iguane. Oui. On a vu des perroquets, on a vu une variété de petits oiseaux. Et puis on est rentré. Non, on n'est pas rentré directement. Andrella, elle est revenue nous chercher et elle nous a proposé, oui, puisqu'elle allait à Manizales Centre chercher son fils à l'école, elle nous a proposé
de venir avec elle, ce qui nous a permis de faire un petit peu de course, puisqu'on était quand même un peu tout seul là où on était à Hacienda Venecia. Donc on a juste acheté le minimum, puisque la pièce devait arriver le lendemain matin. Et le mardi matin, quand on s'est réveillé, on a vite essayé de contacter le fameux mécanicien. On nous a dit que c'était un peu trop tôt, qu'il fallait attendre l'après-midi. Ça commençait à sentir un peu le roussi, honnêtement. Et l'après-midi, il s'y est révélé qu'il fallait s'y attendre. Il n'avait pas la possibilité d'avoir cette courroie. La seule courroie qui, supposément, existait en Colombie. Alors, il a fallu quand même... Alors, j'ai envoyé un message sur Instagram et sur Facebook pour vous donner des nouvelles, puisqu'on avait quand même pas mal de messages de gens qui nous demandaient ce qui se passait. Et là, il a fallu trouver des solutions vite. Alors, on a été rapidement contacté, même tout de suite, par un mécanicien français qui nous suit sur Instagram et qui nous a proposé de nous envoyer la courroie. Donc on était super contents et on lui a dit oui, s'il te plaît, envoie-nous la courroie. Déjà, ce que tu peux faire tout de suite, c'est dire oui pour la commande, ça c'est certain. Première chose. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ensuite voir... T'es où exactement? T'es près d'une ville ou... Manu, étant un peu stressé, il a dit « Ah oui, mais si la courroie, elle n'arrive pas, comment on va faire ?» Donc on a demandé à une de nos filles de nous en envoyer deux que tu as commandé sur Oscaro. Ouais, disons que ça me semblait fragile de reposer sur une seule piste. Et donc, puisqu'il s'agissait maintenant d'attendre pratiquement probablement 10 jours de plus, ça commence à faire beaucoup, on ne pouvait pas courir le risque d'avoir un nouvel échec qui nous coûte 10 jours et encore attendre 10 jours. Donc je me suis dit que compte tenu du budget, en gros la courroie elle coûte entre 10 et 20 euros, hein, c'est rien du tout. L'envoi lui coûte plus cher, il va coûter entre 50 et 80 euros on va dire, entre Chronopost et DHL. Et donc je me suis dit que pour à chaque fois 70 euros, il valait même activer plusieurs pistes de manière à être sûr qu'au moins une aboutisse. J'avais peur qu'une seule aboutisse pas du tout et nous on replonge dans un problème encore plus grave. Et donc, puisque ça coûtait pas cher de commander les courroies, j'ai fait envoyer deux courroies à Iris. Il y avait une courroie qui devait venir de Mechanicon Trip, qui était l'internaute qui nous suivait. Et puis, j'en ai encore commandé deux le lendemain, car j'ai observé que s'il n'y en avait pas en Colombie, il semblait y en avoir au Mexique. Donc, j'ai trouvé un site mexicain qui garantissait une livraison rapide en Colombie. Donc si bien qu'on s'est retrouvé avec 5 courroies et on a commencé une sorte de petite course de vitesse entre 5 courroies. Mechanic on the Trip, tu as dit une Iris et les deux que tu as, mais c'est deux à Iris. C'est deux à Iris, c'est juste ce que j'ai dit. Iris, mais simplement par deux fournisseurs différents en fait, qui devaient arriver. Donc là, les commander à la limite, c'était pas le plus difficile. Ensuite, il fallait les faire envoyer. Alors, il y a quelqu'un qui habite en Colombie et qui se charge des envois. Alors ça, c'est super, c'est François Le Guadec. Merci François, qui nous a beaucoup aidés. Bon, c'est bon, là, je viens de passer une vingtaine de minutes avec François Le Guadec. C'est le Français installé ici qui s'occupe des envois rapides par DHL, qui a un système pour faire les envois les plus rapides possibles. Donc, il y a un ensemble de documents à remplir. Je devrais pouvoir les remplir dans l'après-midi. J'ai déjà fait le paiement là, je viens de faire le paiement avec la carte de crédit. Donc on organise une prise en charge par DHL demain 14h. C'est-à-dire que nous on sera à peine levé en fait que le colis devrait être emporté demain en France. Et ensuite advienne que pourra, mais on va voir en fait lequel des deux colis va arriver le plus vite en fait, celui du Mexique ou celui de la France. Là on est rentré dans un processus d'envoi un peu lourd quand même. Bah, c'est un envoi par DHL, simplement DHL s'est craqué, c'est-à-dire que DHL assure en principe une prise en charge en France
Et le livreur qui doit faire l'enlèvement chez Mechanicum de Trip n'a pas fait l'enlèvement ni le bonjour, ni surtout le lendemain quand il s'est effectivement présenté pour faire l'enlèvement. Il a oublié de demander une facture que pourtant j'avais demandé à Mechanicum de Trip. Non, il a voulu lui donner, le gars a dit j'en ai pas besoin. Exactement, donc il y a une erreur énorme de DHL qui fait que dans les jours qui suivent, le colis a été bloqué, tout simplement en France, tout près en fait du point de départ. Il s'est trouvé bloqué plusieurs jours. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à regarder en fait tous les jours faire le tracking des différentes courroies. Vous voyez que celle de Mechanicum de Trip était bloquée à Marseille. Celles d'Iris, elles ont été envoyées et on suivait leur progression. Alors celles d'Iris, en fait, il y en a une qui est restée en France en ultra sécurité et une qui est partie par Chronopost. Donc on avait deux systèmes entièrement différents puisqu'on n'avait pas le même fournisseur et on n'avait pas non plus le même le système de messagerie. Et DHL, qui est plus cher et qui est en principe meilleur que Chronopost, s'est trouvé en compétition avec Chronopost, qui est parti juste un tout petit peu après, mais qui en fait n'a pas eu connu ce problème de blocage parce que la facture a été jointe à l'envoi normalement. Et rapidement, l'envoi d'Iris par Chronopost est passé devant l'envoi de DHL. Et ensuite, on a suivi ça jour après jour. Jour après jour, on a été aussi beaucoup aidé par le propriétaire d'Hacienda Venezia. Parce que lui, il nous a dit que c'était tellement perdu au milieu de nulle part que DHL n'allait pas venir jusqu'à l'Hacienda et que par conséquent, il voulait bien faire venir les courroies dans dans l'appartement qu'il a à Manizales. Mais ça a été beaucoup de stress parce que les courroies, on les voyait... ensuite, elles étaient bloquées aux États-Unis. Alors, elles ont été bloquées pour des problèmes de douane aussi à l'entrée. Enfin, pas très longtemps, mais pendant un ou deux jours, elles se sont trouvées bloquées à l'entrée en Colombie. Hey, Belt is in Bogota! Now we have a chance. Et puis, on avait le problème, en fait, du point de chute, effectivement. C'est-à-dire que l'expédition... Moi, j'avais, dans l'urgence, j'avais donné l'adresse de l'Hacienda Venezia où on se trouvait. Et le propriétaire nous disait qu'elle n'arriverait pas, mais DHL nous disait qu'elle arriverait quand même. Donc on ne savait pas trop si on devait essayer de contacter le centre de distribution finale pour changer l'adresse en cours de route. En fait, elle est arrivée à Hacienda Venezia. Ah non ! Elle est arrivée à Manizales. Tu es allée la chercher avec Andrella. On voyait que l'avant-dernier jour, la courroie était dans les environs immédiats, elle était à 20 km, mais elle était soi-disant au centre de distribution. Et on ne la voyait plus bouger là, et on s'est trouvé un peu paniqué. On s'est dit, elle va repartir en fait, parce qu'ils ne vont pas nous trouver. So, I am at present in Manizales, and I am waiting for a package that comes from France. And at present, it seems, from the info I have on the internet, it seems that the package is at your warehouse in Dos Quebradas. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que on a appris que la courroie était bien arrivée chez le propriétaire de Hacienda Venezia, et donc on a pu prendre un taxi pour aller chercher cette courroie. Exactement. Ah, so, espero ese paquete desde más que una semana. Et c'était extraordinaire ce sentiment de libération qu'on a vu, cette simple courroie qui était vraiment toute bête, mais qui est arrivée pratiquement 15 jours ou 14 jours après la panne initiale. Hihi, la courroie là. Una nueva courroie. La courroie más famosa del país. Et ensuite, on voyait la courroie de Mechanic on the Trip, on voyait son avancement. Elle arrivait tout doucement, mais on voyait le coup qu'on allait être parti d'Hacienda Venezia quand elle allait arriver. Donc, il a fallu mettre en place tout un système pour nous faire réenvoyer la courroie à un autre endroit, sachant qu'on ne sait jamais le matin où on va dormir le soir. On avait une vague idée d'arriver à un certain moment à Villa de Lieba. Et donc, on s'est mis d'accord avec les employés d'Hacienda Venezia de nous réenvoyer les courroies à Villa de Lieba par bus. Alors là,
je n'y croyais pas vraiment et en fait ça a super bien fonctionné, ça n'a pas coûté cher. L'heure de vérité. On va voir si nos courroies sont arrivées. À côté des manifestants. Si. Bien, bien. Tu vois que la salle. Je ne crois pas. Estonie, deux courroies. Garage bien automobile. No crazy. Incroyable. On voulait quand même pas que les efforts d'abord de mécanique on the trip aient servi à rien, et on voulait pas non plus laisser perdre des courroies qui pourraient très bien nous être utiles si jamais par malheur la courroie en question recassait. Parce que là on remet une courroie qui n'est pas une courroie d'origine. Donc c'était le dernier problème à résoudre finalement, c'était après avoir réceptionné cette courroie, et Dieu sait que c'était un soulagement exceptionnel, il fallait encore l'installer. Et donc trouver un mécanicien, alors on avait déjà une piste hein, par Andrella, par Gilbert, tout le monde nous aidait localement, tout le monde était au courant de nos tourments. Donc on a réussi Jessica à trouver... Jessica a appelé son cousin, enfin... Entonces a ver si tú de pronto, casualidad, sabes un mécanico. Et en fait, personne ne pouvait finalement. Enfin, c'est pas que les gens pouvaient pas, c'est que nous, on était pressés de repartir et on voulait que ce soit fait quasiment dans la journée. Et comme on a dû attendre le lendemain. Comme jusqu'au bout, en fait, on n'a pas su exactement quand la courroie arriverait. On pouvait pas non plus prendre un rendez-vous d'avance. Donc, dès que la courroie est arrivée, on a cherché à trouver un mécanicien. Et à ce moment-là, on a encore perdu une demi-journée ou une journée pour qu'il vienne effectivement. Et pendant ce temps-là, je me suis vraiment documenté. Alors, il nous avait dit qu'il arrivait à 4 heures. Et on a essayé d'avancer le processus tous les deux, en fait. Je fais un test pour voir si on peut bouger le moteur en passant la cinquième et en bougeant la roue, en fait. Donc pour ça, je lève la roue. Normalement, ici, ça devrait tourner. Et voilà, ça tourne. Tu veux que je regarde si ça tourne au niveau de la courroie? Ah ben non, parce que t'as pas ouvert. Au niveau de la courroie, parce que, ah, regarde, on voit l'axe qui tourne, donc ça c'est bon. Ici on voit le volant moteur normalement. C'est cette partie crantée qui est là. Et en principe là-dessus j'ai une marque que je vais essayer de trouver sur une de... C'est là hein, dans ce dont on parle, c'est ce truc là. Oui, oui. Et je devrais trouver une marque normalement si je fais tourner le moteur. Donc je vais essayer d'actionner en actionnant la roue. Là, je passe à cinquième. Ok. Et maintenant, je vais aller tourner la roue. Il y a une marque avec un trait et une marque qui doit être marquée 0 ou P0. Ok, vas-y. Mais il faudra voir, je ne sais pas quelle est la longueur du volant moteur, si c'est long ou pas, pour faire une révolution complète. Tu vas trop vite, doucement! On vient de passer une demi-heure à essayer de trouver la marque, et on a trouvé la marque là. Bon, une demi-heure, t'es gentil, on est... Quelque part là-dedans. Là. Mais non, mais sans lumière, on peut pas voir. Et maintenant, on va tenter la... C'est pour ça qu'il n'y a pas de tuto sur Internet, Manu. Hein. C'est que sans lumière, tu peux pas montrer la marque. Hein. On va tenter une première mise en place de la courroie. Elle est trop petite. Et moi, ça me paraît normal hein, qu'il faille forcer un peu. Et ensuite... Ensuite, sans l'abîmer, par là. Je crois qu'il n'y a pas assez de... Faut enlever la pluie. Oh. 4h, 4h30, 5h, pas de mécanicien. Donc Manu a dit, bon allez, c'est bon, on va la mettre tous les deux.
Et on était sur le point de la mettre quand on a entendu la moto du mécanicien arriver. Et le gars, ça lui a pris 5 minutes. Ça, donc il suffisait au moment où le mécanicien est arrivé d'enlever une poulie et de mettre la courroie et de remettre la poulie. Donc c'était très rapide. Et après, ben, on a donné un tour de clé. Ouais. Et ça a marché, premier coup. Alors des fois, on a des petits ennuis comme ça, mais on a quand même des joies qui sont à la mesure des ennuis, parce que cette panne vraiment stupide, toute simple, nous a bloqué pendant 2 semaines. Et on était tellement contents de pouvoir repartir, c'était incroyable. Alors ces 15 jours, c'était difficile, effectivement, parce qu'on était dans l'expectative tout le temps. Mais on se rend compte de la chance qu'on a d'être tombé en panne à cet endroit-là. On aurait pu tomber en panne rien que dans la montée pour sortir d'Ascenda Venezia. Et là, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Là, c'est arrivé à la sortie, c'était très bien. On aurait pu tomber en panne à 3000 mètres d'altitude. Ça aurait été moins rigolo au niveau santé. Là, on était dans un endroit où la deuxième semaine, honnêtement, on était quasiment tous les deux avec Gilbert et Jessica. On loue une maison pour nous tout seuls avec un super jardin, avec du birdwatching, pour 5 € par jour, quoi. Ouais, ouais. Femme de ménage comprise. Ouais, c'est ça. Le style, un peu style exploiteur, quoi. C'est pas notre style de base, mais bon, ben là, c'est comme ça. T'en profites quand même. Ouais. Et maintenant, tu vas aller où? À la piscine. On vous emmène à la piscine. On était tous les quatre, on pouvait faire ce qu'on voulait. On avait une piscine, on pouvait y aller, on y avait accès. On pouvait faire du birdwatching autant qu'on voulait, puisque comme il n'y avait personne, les oiseaux venaient dans le jardin et on avait de super oiseaux à notre portée. Bah, le domaine, il est quand même assez grand, donc on l'a parcouru en long, en large, en travers. On a suivi les exploitations de café. Alors, il y a des tours proposés à Ascenda Venezia, des tours de café, des tours de cacao, des tours de rhum. Alors, on avoue qu'on n'en a fait aucun des trois, puisqu'on avait eu l'occasion chez Sandrine et Vincent de faire un tour de café. Par contre, on a cherché les oiseaux, donc on a beaucoup marché dans le domaine. Ils ont un four à pizza qu'on a beaucoup exploité. On s'est fait des concours de pizza. Savoir quelle est la meilleure pizza. Aha. Candidate numéro uno. Gilbert, la pizza. Candidate numéro dos. Isabelle. A la pizza también. La pizza de la Victoria. Ah, no sabemos. Ahora. On a occupé notre temps comme on a pu, on s'est mis à jour de nos vidéos et franchement, ça nous a fait du bien. Ouais, ouais, ben surtout, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait une sorte d'angoisse permanente qui était liée au fait qu'on ne savait pas comment on s'en sortirait. Maintenant, rétrospectivement, si on peut voir l'expérience comme 2 semaines. Dans un joli cadre pour se reposer un petit peu et pour prendre le temps davantage d'avancer un petit peu sur nos travaux de fond. C'était presque des vacances en fait, en somme, par rapport au rythme itinérant qui est un peu plus difficile à soutenir aussi, parce que quand on est sans arrêt en mouvement et qu'on est sans arrêt dans des activités, ben, qu'on veut entreprendre de nouvelles activités, c'est plus fatigant. Voilà, donc c'est quand même avec un petit pincement au cœur qu'on a quitté Gilbert et Jessica, puisqu'on s'était quand même attachés. Oui, ça fera partie des endroits qui, lors de tout notre tour du monde, des 3-4 endroits où on est resté le plus longtemps. Mais bon, on était contents quand même de reprendre la route. On était très contents, très soulagés de reprendre la route. On avait rechargé les batteries en quelque sorte, et voilà. Listo.